Bonjour à tous et à toutes, ici Oussama et aujourd'hui on s'ouvre la Built-in Battle Stadium du Sylvan Tempest. Ça risque d'être le dernier article de ce set-là que j'ouvre, vu que j'ai pas mal déjà tous les gros hits que j'ai économisé pour le gros set qui vont sortir. Mais j'ai d'autres choses à ouvrir dans mon sous-sol. Faut pas s'inquiéter avec ça, mais ça risque d'être le dernier Sylvan Tempest pour l'instant. Parce que le nouveau dernier set qui vont sortir, je pense le 12 ou 13.5 avec le Zenith Crow ou quelque chose de même, ben il sort bientôt. Il sort, c'était peut-être en janvier, je pense qu'il sortait. Mais bon, fait que là, la belle boîte avec le Regirikki, Goupix, Hedraco, puis le Boulkiak sur la box. On zoome comme ça. Il y a les. Ah, c'est nouveau ça. À ce temps, ils mettent les dés dans des trucs en plastique comme ça. Je pense que c'est mieux. Ça passe bien mieux, je pense. Le gros tas d'énergie. Puis, il y a les tokens aussi. Les 4 boosters. Puis, les deux boîtes de pré-release. On va finir avec ça. Commencer tout de suite avec l'ouverture des 4 boosters. Fac. Le premier booster. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Que le code pour vous. 1, 2, 3, 4. On dit une énergie de type feu. Toujours commence, toujours avec le feu, mais c'est une plante. Jinx. Altaria. Fetchinder. Indeedee. Meriani. Misdreavus. Swablu. Swordix. Beldum Reverse pour finir avec. Rien. Continue avec le beau Goupix. Dalola. On va espérer avoir du beau hit aujourd'hui. Le code. 1, 2, 3, 4. On a dit une énergie de type. Oh! Électrique encore. Ninetales. Cladole. Hypno. Vulpix. Imolga. Chimecho. Benuari. Bronzy, Gally Reverse pour finir avec. Rien, voyons. Continue avec le Regidraco et Eliki. L'électrique. L'autre, une grosse tête de dragon. Je peux pas mélanger entre les deux. Le code. 1, 2, 3, 4. J'ai une énergie de type. Vaporeon. Combat. Venomoth. Dragonair. Wallace. Murkrow. Beldum, Baltoy, Socrine, Fampi, Snorunt Rivers pour finir avec. C'est une holo, c'est une Metagross. C'est cool. Là, c'est vraiment le Regidraco. Je sais pas comment je me suis mélangé avec l'eau, mais bon. Kraken, je préfère Regidraco. Il est vraiment plus beau, à mes yeux. Code. 1, 2, 3, puis il n'y a pas d'énergie. Fac, Donphin, Diffusion, Wailord, Isdravus, Swablu, Swirlix, Rotom, Dweepy, Radiant Alakazam, Herbwit, je l'ai déjà, mais c'est très bien, tout finit avec, rien, mais Herbo Radiant. Qu'on est rendu avec les boîtes de pré-release, j'aurais dû amener mon couteau, ça va être compliqué à ouvrir ça. Allez! Attends! Attends! Ça c'est fait. Fait que dans cette boîte-là, on a comme 4 promos. La Rapid Hatch. À date, il sort bien. Je le trouve bien beau. Il y avait un booster en arrière. Je l'ai pris sans faire exprès. Mais il y a 4 boosters dans cette petite boîte-là. Découvrons ce qui se cache à l'intérieur. Voir s'il est plus fort que l'autre petite boîte. Mini bateau. Fait que le code. 1, 2, 3, 4. On va dire une énergie de type feu. Là, je l'ai eu. Bon hit garanti. C'est pas vrai. Dark Cloak. Lanturne. Un fossile non identifié. Solosis.
Zubat, LGM, Fungus, Sandygast, Drippy Rivers pour finir avec. Mawile. Belle carte, je trouve qu'il sort bien en vrai. Cool. Continue avec le Beluga. Bon, peut-être sa V-Star, sa V non internet. En tout cas, plein de potentiel. 2, 3, 4. On a une énergie de type feu. Psy. Cadis. BM. Un jus d'urgence. Fletchling. Ferroseed. Smurgle. Espur. Dratini. Token de Maru. Pour finir avec. Fictini Holo. Non Holo. Montadi. Le Goopix. Moi je veux sa V-Stars. Je veux sa V-Star. Fait que le code. 1, 2, 3, 4. D'une énergie de type. Va pour de l'eau. Oh, acier. Fait que Brandon. Altaria. Fletchinder. Phoebus. Fennekin. Spinarak. Beldum. Krogunk. Oh, le retour de l'Altaria TG. Pour finir avec. Encore Metagross. Un petit Godpack. Ça, c'est ce qu'on aime. Continue avec le Régis Liki. C'est le dernier booster de cette petite boîte-là, mais il en reste encore une autre après. On voit ce qu'il cache à l'intérieur, ou s'il y a un autre hit. Le code. 1, 2, 3, et pas encore d'énergie. Fac. Anorit. Mewtic. Gali. Inmolga. Beldum. Stunfisk. Vulpix. Snorunt. Miss Dreavus pour finir avec. Rien. Fait qu'on passe à la prochaine boîte. Cette fois-ci, je suis venu préparer. J'ai mon petit couteau. Fait que ça va prendre moi pas 10 minutes à l'ouvrir. Fait que la promo se cache dans cette boîte-là, c'est. Ça va être. Kyria. Ça me sera toujours tombé sur une évolution du milieu, mais bon. C'est cool. Ça reste quand même un hit supplémentaire. Les 4 boosters. On va commencer avec le Régis Liki. Le petit électrique du groupe. On va espérer pogner quelque chose de bon. On espère toujours pogner quelque chose de bon. Le code. 1, 2, 3, 4. On a une énergie de type électrique pour Régis Liki. Ténèbres, Torracat, Dragonair, Venomoth, Smurgle, Espur, Dratini, Chinchu, Medidit, Solosis, Reverse, pour finir avec, Ursula, oh ça c'était un beau hit, Ursula V, un des Pokémon qu'on s'attendait pas qui évolue, mais bon, c'est une forme d'échoui, fait qu'on on sait pas s'il va revenir, peut-être qu'il va revenir un de ces jours, mais bon. Fait qu'on continue avec le Regidraco. On veut toujours sa V alternative. On la veut. Le code. 1, 2, 3, 4. On a une énergie de type feu. C'est acier ça. Kyria. Torracat. Dragonair. Ralts. Fletchling. Dratini. Kling. Stunfisk. Archaeops, puis on finit avec le retour de la trainer avec un move de V-Star. Toujours surprenant à voir ça. Il reste deux boosters. On n'a toujours pas pogné de V-Star de ce set-là. Je me rappelle pas d'avoir pogné une V-Star dernièrement. Mais bon. On va peut-être en avoir un jour. Fait qu'on va dire une énergie de type eau. Moi je crois en l'eau là. Yes! Fait que Wallace, Jinx, Brandon, Dupider, Ponyta, Venomoth, Ralts, Spinda, Phoebus Reverse pour finir avec. Rien. Dernier booster. En plus, c'est un Lugia. On va espérer pogner de quoi. On voudrait pogner un gros hit final pour la fin de la vidéo. Un hit surprenant. Fait que 1, 2, 3. Pas encore d'énergie. Fac.
Serena, Sijilif, Jen Trainer, Wallace, Mark Rowe, Inmolga, Medidit, Durant, Misdreavus Rivers pour finir avec. Rien. Le tous les bouits, on a poigné deux fois la Metagross, un Radiant à la Kazam, vraiment très beau. On a aussi eu la carte V-Stars qui n'est pas vraiment une V-Star. Ursula, un beau Pokémon. Le Mawile aussi, mais le plus beau, ça reste quand même encore la Altaria. La deuxième fois que je la pogne, mais c'est un très beau carton. Enfin, c'est ce qui va conclure la vidéo. Puis lâchez un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche, laissez un commentaire et on se voit la semaine prochaine.